Allô maman, j'ai du sang à ma pépette. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait cette intro, ça fait trop bizarre. My god, ça date de ouf. J'espère que vous avez passé un bon été, des bonnes vacances, très très longues vacances, puisque ça dure depuis le confinement. Voilà, j'espère que votre rentrée s'est très bien passée, que vous êtes dans une bonne classe, bon emploi du temps, tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo parce que ça fait maintenant plus de 4 mois que j'ai pas posté sur YouTube, il me semble. Mais je vous jure, YouTube, je sais pas, genre j'arrive pas à être... active en fait. Je vais pas vous dire que je vais commencer à être active à partir de maintenant alors que je vais peut-être pas tenir ma promesse. Bref, en tout cas, le principal c'est qu'aujourd'hui je poste enfin et j'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui s'intitule Mes premières fois. Je vous avais mis un petit truc sur Instagram pour que vous me posiez des questions genre la première fois que t'as fait ci, la première fois que t'as fait ça. Et du coup, je vais vous répondre. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Alors du coup, le premier, la première fois que tu as embrassé un garçon, c'est en primaire. Parce qu'en fait, au milieu de ma cour de récréation, il y avait un petit arbre, genre avec des feuilles tombantes. Et on a été en dessous et on s'est fait un bisou. Du coup, voilà, c'était mon petit copain de la primaire. Deuxième, la première fois que tu as eu une mauvaise note. Ouh là là, ça, franchement, je ne sais rien du tout. Je pense que c'était en maternelle carrément. Ou alors en primaire, mais je sais pas. Mais à mon avis, ça doit être vers ces zones-là. Parce que si j'ai eu ma première mauvaise note au lycée, c'est que je suis intelligente au final. Du coup, ouais, je pense que c'était en maternelle, voire primaire. Je sais pas du tout. Troisième, la première fois que t'as fait une coloration pour les cheveux. Il y a 3 ans, il me semble. Ouais, c'était il y a 3 ans et j'avais mis des extensions en même temps. Je m'étais fait une coloration brune. D'ailleurs, je regrette, je vous jure. Je préfère en blanc. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, je reviens sur YouTube en blondasse. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ou si vous préfériez quand j'étais brune. Quatrième, la première fois que tu as bu... Ouh là là, franchement, le premier verre d'alcool que j'ai bu, je pense que c'était quand j'avais 15 ans. Vous allez me prendre pour une alcoolique. D'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez-en avec modération. Bref, du coup, voilà, c'était à 15 ans à ne pas reproduire, je vous le dis. 15 ans, c'est trop jeune. La première fois que t'as voyagé, vraiment le vrai voyage que j'ai fait. Bon, tu vas te taire, oui. Le premier gros voyage que j'ai fait, c'était en Guadeloupe et c'était en mars. Ouais, c'était en mars parce que juste quand je suis revenue, c'était le confinement. Donc ouais, c'était en mars et c'était en Guadeloupe avec Jonathan, Anthony et Lou. Et voilà, c'était le premier voyage que j'ai fait. La première fois que tu as fait un partenariat et c'était avec quelle marque? Alors la première fois que j'ai fait un partenariat, c'était environ il y a 2 ans et demi, bah quand j'ai commencé les réseaux sociaux. C'était un partenariat pour Instagram pour une marque de lunettes de soleil. Je vous jure, c'était mon premier partenariat, je m'en rappelle encore. Il m'avait envoyé une petite paire de soleil, de lunettes de soleil, là j'étais... Bref, du coup voilà. La première fois que t'as raté le train. Ceux qui me suivent depuis, ils savent à quel point Clément c'est les trains. Ça fait 36. Vous-même vous savez, je rate toujours mes trains. Enfin, je ratais toujours mes trains parce que maintenant je prends beaucoup moins le train. Mais genre, je les ratais tout le temps. Je vous jure, c'était un truc de malade, franchement. Je connais personne qui a raté autant les trains que moi. C'était un truc de fou. Du coup, pour répondre à la question, la première fois que j'ai raté le train, je pense que ça devait être dans les débuts que j'allais à Lille pour voir Issa et tout. C'était pareil, je pense, il y a 2 ans et demi, un truc du genre. La première fois que tu as rencontré une abonnée, je me rappelle, elle s'appelait Janelle. Je me souviens. Je sortais du lycée le midi, genre avec des potes et tout. On a été au McDo. Et en sortant du McDo, au loin, je vois une fille me regarder et tout. C'était la première fois que je m'étais fait reconnaître, ça faisait trop bizarre. Genre, je la vois, elle me fixe et tout. Et après, elle vient vers moi, elle me demande une photo, j'étais en mode... Moi ? Du coup, j'étais choquée, je sais pas, c'était trop bizarre. D'ailleurs, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. La fameuse question que 50 000 personnes me posent. La première fois que tu as fait l'amour. Alors la première fois que j'ai fait l'amour, c'était il y a...
Je ne répondrai pas à cette question parce que c'est personnel et je pense que ça regarde personne, du coup voilà. La première fois que tu as eu un crush, oh, c'était sur Justin Bieber. En même temps, qui n'a pas kiffé Justin Bieber, s'il vous plaît. Genre moi j'étais là, j'étais à fond sur lui. Mon agenda, c'était Justin Bieber. J'étais à fond sur lui, je vous jure. C'était un truc de fou. C'était quand? C'était au collège. Et même en 6ème, sans compter les crushs stars, quand j'étais en 6ème, genre avec ma pote que je m'étais faite, parce qu'avant, quand je suis rentrée au collège, genre je connaissais personne, c'était tout nouveau, des nouvelles personnes, tout ça. Et du coup, je me suis fait une copine. Et genre, on avait plein de crushs, genre des mecs qui étaient en 3ème et tout, sauf que nous, on était là, on était des petites 6ème qui venaient d'arriver, qui nous calculaient, genre personne, qu'on reste à notre place. La première fois que t'as volé dans un magasin. C'est pas bien à ne pas reproduire. Alors, je pense que j'avais genre 7 ans, 6 ans, un truc du genre. Genre j'étais avec ma cousine à Kiabi, elle m'a montré des boucles d'oreilles et tout. Et après je sais pas, je les ai volées mais je sais plus comment. Genre je sais plus, je les ai mis dans ma poche ou un truc du genre. Du coup voilà, la première fois que t'as eu tes règles. C'était pendant les grandes vacances de ma CM2 à ma 6ème. Genre c'était quand j'étais partie en vacances avec mes parents. Dans le mobilhome et tout, un camping et tout, on arrive là-bas. Et bah moi je suis restée au mobilhome mais mes parents ils sont partis faire les courses. Et là je vais faire pipi. J'essuie et je vois du sang. Mais moi j'étais là, j'étais en mode c'est quoi ça? Et du coup j'appelle ma mère, je dis allô maman, il y a du sang à ma pépette. Elle était en mode ah ouais d'accord, c'est les règles là. Et quand elle est revenue, elle m'avait acheté des serviettes hygiéniques et tout. Et elle m'a fait appeler ma famille pour dire que j'étais une femme. La première fois que t'as eu un animal de compagnie, c'est quand j'étais toute petite. Ma mère, elle m'a acheté un petit chat noir. D'ailleurs, elle est décédée l'année dernière. Je suis triste. Non, je vous jure, j'étais trop mal. L'année dernière, genre, elle est décédée, du coup. En plus, pendant que j'étais en vacances et tout. Et quand on est rentré, bah... En plus, moi, je devais rester dans le sud avec mon pote. Et en fait, ma mère a voulu la faire incinérer. Du coup, en fait, j'ai dû remonter en voiture avec mes parents parce que mes parents, ils sont restés 2 semaines avec moi dans le sud. Ensuite, je devais prolonger avec mon pote. Je suis remontée dans le nord en voiture avec mes parents pour quelques jours, le temps qu'elle se fasse incinérer et tout. Et je suis redescendue en train dans le sud pour rejoindre mon pote, du coup. Bref, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous donne pas de date, mais si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Insta pour savoir quand je poste et tout ça, parce que c'est là-bas que je mets tout, c'est là-bas que je pose les questions. Et du coup, voilà, je vous mets mon Instagram juste ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.